Nicolas Joly, bonjour. Vous êtes le commissaire de l'exposition sur Pierre Bismuth. Et une exposition assez intéressante, inhabituelle. Pouvez-vous me dire si, selon vous, ce personnage est subversif, puisqu'il amène à quelques questionnements et il a une approche assez particulière? Il est subversif, c'est un fait. Le simple fait de dire que les choses n'ont pas à être comme elles sont, n'avaient pas à être comme elles sont, ça l'est. Pourtant, il n'est pas acide ou revanchard. C'est pas quelqu'un qui se veut révolutionnaire ou politiquement engagé. C'est pas un travail politique, parce que ça ne parle pas de politique, mais après, on peut se poser la question de savoir si le simple fait de poser cette question, si on a dit les choses n'ont pas à être comme elles sont, ou qu'est-ce qu'elle... d'accepter que tout est possible, c'est politique. Est-ce que vous pensez qu'il rejoint en ce sens le rôle de tout artiste, de dénoncer les choses, de les mettre en évidence, de justement faire réfléchir le reste des individus, ou alors il va plus loin, leur offrant d'autres perspectives, leur ouvrant d'autres portes qu'il a lui-même entrouvertes avec certaines œuvres? C'est un peu entre les deux. Donc, je sais qu'il n'aime pas cette idée de révéler quelque chose. Par contre, l'idée de concevoir l'œuvre comme un objet qui fait penser, un objet qui inaugure une pensée, ça oui, il se reconnaît très très fort là-dedans. Donc en ce sens, ouais, je crois que c'est la mission aussi qu'il a signée à l'art. Après, l'idée d'ouvrir lui-même des portes et d'emmener les gens, il trouverait ça très prétentieux. Il n'est pas là-dedans. Je crois que son rôle à lui, c'est d'ouvrir certainement, mais plus sur une zone où après c'est à chacun de défaire quelque chose, de montrer dans le même mouvement que d'autres choses sont possibles, sans pour autant imposer une voie. Je dis souvent que c'est une œuvre qui n'affirme rien. C'est pas une œuvre sur le beau, sur le juste, sur la justice, sur quoi que ce soit, mais qui pour autant affirmative. On le voit ici, il y a une nouvelle fonction, mais elle ne s'impose pas aux gens. Merci.